ciel! C'est une arme biologique. Ça vient d'une Africaine qui a couché avec un singe vert. Oh, c'est un truc des adultes pour nous faire flipper. Le sida est une menace de mort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre émission de ce soir est consacrée au sida. Qu'est-ce que le sida? Comment attaque-t-il l'organisme? Que peut-on faire? Le docteur Clastre est avec nous ce soir pour répondre à ces questions. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que le sida? Eh bien, comme vous le savez, le sida est une maladie contagieuse provoquée par un virus. Ce virus a été repéré en 1981. L'origine exacte de cette maladie est encore inconnue. En temps normal, lorsque des microbes, qui sont des agents de maladie, pénètrent dans notre organisme, nos cellules de défense les repèrent, sonnent l'alarme, alerte d'autres cellules de défense et engage le combat. Et cela jusqu'à ce que les cellules contenant des agents de maladie soient détruites. Simultanément, d'autres cellules de défense produisent des anticorps. Ces anticorps rattrapent les agents de maladie qui circulent dans le sang et les rendent inoffensifs. Puis une cellule avaleuse de déchets les absorbe et les digère. Nous sommes alors guéris. Ce virus, responsable du sida, est perfide. Parce qu'il attaque et détruit les cellules responsables du système immunitaire de notre organisme. Toutefois, ce virus, avant de passer à l'attaque, s'installe dans les cellules qui commandent tout notre système de défense et y reste. Pour différentes raisons encore peu connues, le virus responsable du sida peut séjourner des mois, des années dans le corps humain en restant inactif. À ce stade, la personne atteinte n'est pas malade du sida, mais elle est séropositive. Son système de défense réagit en produisant des anticorps que l'on peut mettre en évidence par un test de dépistage. À ce stade, la personne atteinte peut transmettre le virus responsable du sida. Une personne séropositive, comme une personne malade, peut en contaminer une autre de trois façons. Lors de relations sexuelles, lors d'échanges de seringues entre drogués, de la mère à l'enfant, lors de la grossesse. Docteur Clastre, pouvez-vous nous expliquer à quel moment une personne séropositive tombe malade du sida? Alors, une personne séropositive tombe malade du sida quand le virus, qui sommeillait jusque-là, se multiplie soudainement dans l'organisme. Et c'est cette multiplication soudaine du virus qui est terrifiante. Nos cellules de défense meurent rapidement. Et notre corps est alors livré à de nombreux agents de maladie. C'est ce qu'on appelle être malade du sida. Le malade du sida souffrira de toutes sortes de maladies. Et contre lesquelles il ne peut plus lutter. Jusqu'à aujourd'hui, aucun malade n'a survécu longtemps au sida. Après la déclaration de la maladie. Peut-on espérer trouver un vaccin rapidement? Non, je ne pense pas. Comme nous l'avons vu, le virus responsable du sida, une fois dans le corps, se cache dans les cellules. Il est de ce fait très difficile à atteindre. Non, pour l'instant, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Quelle est la vitesse de propagation du sida? L'évolution de l'épidémie est progressive
Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, des personnes sont séropositives, d'autres sont atteintes du sida. Si nous ne réagissons pas, cette épidémie bien particulière aura des conséquences dramatiques. Mais si l'on agit, si chacun se responsabilise, alors nous pourrons, dans un premier temps, freiner l'épidémie, puis l'anéantir. Pour l'instant, la vitesse de propagation du sida est alarmante. Et comme les scientifiques ont encore besoin de temps pour trouver un vaccin, la seule façon vraiment efficace de se protéger est d'adopter soi-même des comportements qui éliminent tout risque. Il est évident que ceux qui ne pratiquent pas l'échange de seringues et n'ont pas de relations sexuelles ne risquent rien. Les voies de propagation du sida étant connues, nous sommes en mesure maintenant de nous protéger. Docteur Clastre, je vous remercie. La semaine prochaine, nous nous retrouverons avec une émission consacrée à la prévention. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur Canal 3B. Bonsoir. Ouais, le sida, il ne fait pas peur. On sait que faire pour ne pas l'attraper. Ça dépend que de nous. Je m'appelle Serge Bianchi, j'ai 34 ans, je suis de Genève et je suis sida maladie depuis à peu près 3 ans. Je parais actuellement en bonne forme, c'est vrai, bien que ces 3 dernières années j'ai été souvent hospitalisé, en moyenne 1 à 2 fois chaque année. C'est vrai qu'actuellement, je me sens bien et suis pas malade en particulier. Avec la crainte toujours de devoir demain être à nouveau hospitalisé pour une autre maladie ou d'autres problèmes liés au sida. J'étais donc toxicomane à l'héroïne et à la cocaïne pendant 12 ans.
J'ai découvert ma séropositivité en 85 en faisant des analyses dans un centre de désintoxication. Sur le moment, pas vraiment de réaction puisque je ne savais pas trop ce que ça représentait réellement. Par contre, c'est une angoisse assez forte quand même quand j'ai été là pour la première fois malade, que j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave d'être sidéen et que c'était effectivement une maladie qui n'était pas quelconque. Maintenant, ça ne m'empêche pas, par contre, de vivre tout à fait normalement et de manger, de dormir, travailler, rire, et comme tout le monde. Pour moi, être sidéen, c'est vivre avec des doutes quant au futur, c'est vivre avec l'insécurité de savoir si demain on est de nouveau malade ou si on va pouvoir être un jour guéri totalement. C'est voilà, c'est ça être moi. Vis-à-vis de ma famille, ça a été un peu vécu comme une espèce d'injustice quand même, parce que, bon, c'est sûr, mon fils est un toxicomane, il se sort de toxicomanie, plaf, ça y est, maintenant il a le sida. Quelque part, pour ma mère, peut-être c'est pas juste. C'est pas... Maintenant, pour mon ami, alors là, qui est séronégative, ça n'a pas posé vraiment de problème, parce que tout simplement, on s'est mis d'accord, bon, on allait avoir des relations avec l'utilisation du préservatif, et autrement on vit tout à fait bien normalement. Quoi. Mes préoccupations par rapport aux gens sains seraient de leur part peut-être une plus grande compréhension et une meilleure acceptation des faits. C'est-à-dire pas être considérés comme des pestiférés ou comme des gens différents. Pour moi, c'est vrai, mon plus grand espoir, c'est évidemment de qu'un jour on trouve le traitement qui permette d'être à nouveau des gens guéris, sains, etc. Moi, j'ai la chance, contrairement à d'autres d'ailleurs, d'avoir pu traverser et surmonter déjà pas mal de maladies. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont morts ou qui vont mourir encore ou qui n'assument pas de la même manière cet espoir ou cette infirmité, quoi, cette maladie. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Christophe Herman et je suis médecin spécialiste qui travaille dans un hôpital universitaire, spécialiste en pneumologie. Et j'étais amené donc à soigner Serge Bianchi, que vous venez de voir, il y a maintenant de cela 2 ans, pour une affection pulmonaire qui a révélé donc son entrée dans la maladie du sida. Alors il est certain que lorsque l'on a vu Serge pour la première fois et qu'il a présenté cette affection respiratoire, la durée de survie que l'on pouvait lui promettre à l'époque était de l'ordre de 12 à 18 mois. Maintenant, Serge est en vie depuis 2 ans, grâce aux progrès que l'on a pu faire dans le traitement de ces infections associées à la maladie du sida. Cependant, le sida reste une maladie que l'on ne sait toujours pas soigner à l'heure actuelle, même si la recherche va faire de progrès considérables et permettre ainsi, peut-être dans l'avenir, de guérir ces patients et d'empêcher une fin qui est pour l'instant inéluctable. Si je peux me permettre un conseil, je dirais surtout ne vous droguez pas. Ne vous droguez pas parce que c'est le chemin le plus sûr pour arriver à faire un sida. Je m'appelle Yves, je suis séropositif, sida maladie. Ce que je veux vous dire, c'est que le sida, ce n'est pas qu'un mot. Moi, je m'appelle Luigi, j'ai le sida. Pour moi, le sida,
Au début, c'était dramatique. Je pensais à toujours à la morte, mais... Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 26 ans. Je suis séropositif asymptomatique. Le sida est présent et ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez tous l'éviter. Votre devoir est de vous protéger. Bonjour, je m'appelle Pierangelo. Je suis d'origine italienne et je suis au courant d'être séropositive, ça fait 5 ans. Et depuis, j'ai commencé à comprendre et apprécier l'importance de la vie. Bonjour, je m'appelle Christian, j'ai 36 ans, je suis séropositif asymptomatique. Pour l'instant, je vais bien, mais je ne peux pas dire dans 5 ans, je serai encore là. Je m'appelle Sylvie, je suis séropositive en traitement. C'est sûr que ma vie a un peu changé, mais je garde toujours l'espoir de vivre et c'est le plus important. Moi, je voulais dire que le sida, je l'ai. C'est-à-dire que le sida, il a aussi visage humain. Et que tout ce que je demande, c'est que les gens comme moi-même soient respectés en tant qu'individu, comme d'autres gens ont d'autres maladies. Pour moi, être séropositif, c'est avoir une lourde charge à assumer et que l'espoir est la meilleure façon de relever ce défi. Les conseils que je peux donner à les jeunes, c'est que bon, déjà d'abord, la drogue, c'est pas la solution pour les problèmes. Et surtout, je peux dire d'écouter un peu les conseils que les parents te donnent, que les adultes te donnent. Être ancien toxicomane et séropositive, ben maintenant, ça m'a donné l'envie de lutter, de me battre pour moi et pour les autres. Et je crois fermement qu'on allait sûrement s'en sortir. Je suis père de famille, j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui est séropositive et en traitement AZT depuis 2 ans. Je crois que ce qui est important pour elle, c'est qu'elle puisse avoir des amis comme tous les enfants des amis, qu'elle puisse être entourée, aimée, avoir ses petits copains et s'exprimer et vivre normalement, aller à l'école et ne pas être rejetée. Et ce qu'elle a besoin, comme ce qu'auront besoin tous les enfants qui seront touchés par ce problème, qu'ils aient 2 ans, 5 ans, 14 ans, 15 ans, c'est de copains, d'amis et de se sentir aidé, d'avoir envie d'aider ces jeunes et de ne pas les rejeter, au contraire, d'être proche d'eux. Et ce sera, je pense, le meilleur moyen de leur permettre de vivre le plus normalement possible. Ce qu'il y a à savoir aussi, et c'est très important, c'est que quand des gens vivent ensemble, négatifs et positifs, ceux qui sont à protéger, ce ne sont pas les négatifs, ce sont les positifs. En Suisse, tous les séropositifs contactés par les réalisateurs de cette vidéo ont refusé d'être filmés. Par peur d'être reconnus, de perdre leur emploi, leurs amis. Par peur d'être tout simplement rejetés.
m'aidiez aussi, ce serait peut-être plus facile. Impossible, je suis coincé. Et t'as vu ? Quoi ? Ah, je m'en fous du sida. Faut bien crever de quelque chose. Enfin, Corinne, tu peux pas dire ça. Il y a trop de risques. D'ailleurs, j'en ai toujours un sur moi. Regarde, il est pas mignon ? Ouais, mais le problème, c'est de le mettre sans que ça casse tout. Mais pas du tout. C'est facile quand tu connais le truc. Fais-moi confiance. Et si la fille participe, c'est même agréable. Ça, il faudrait que tu me le prouves. Quand ? Maintenant. Quelque chose qui ne va pas ? Non, non, rien. À quoi penses-tu ? T'as un autre mec, hein ? Non, c'est pas ça. T'as peur ? Ouais. T'as peur de faire l'amour avec moi ? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. On m'entend parler tout partout. Je vois. T'as peur du sida ? Ouais. C'est pas gagné. Joël, il capote. Ça couvre vraiment tout. Je suis pas toxico, tu risques rien. Mais c'est pas ça. T'as déjà eu des nanas. C'est un risque. Mais les nanas avec qui je suis sortie étaient des filles bien. Non, vraiment, je veux pas mettre ce truc. Écoute, réfléchis. De toute façon, on n'est pas pressé. On peut s'aimer sans faire l'amour. Ton ennui ? Mmh. Et toi ? Ouais. Tu l'as déjà fait ? Ouais. Si je lui dis que je vais en mettre une, elle va penser que je la prends pour une fille facile. Une salope. Si je lui demande d'en mettre une, il va croire que je lui fais pas confiance. Mais j'imagine qu'il en a pas sur lui. Non, elle va pas penser ça. Elle n'est pas bête. Non. On risque trop. Il faut que je lui en parle. Allez. T'es d'accord, je mets une capote ? Au début, on n'osait pas en parler. Et puis ? Ben, c'est drôle parce qu'on s'est décidé au même moment. Vous en avez utilisé alors ? Mm-hmm. C'est vrai que tu le sens pas et que ça change rien ? C'est vrai. Tu le sens presque pas. Puis au moins, t'es tranquille. Ouais, mais il faut déjà oser aller en acheter. Tu crois que le pharmacien a quelque chose à faire ? Bon. T'as déjà couché avec quelqu'un ? T'as de ces questions ? Alors ? Non, en fait, j'ai jamais eu l'occasion. Puis j'ai un peu peur du sida quand même. Et toi, tu l'as déjà fait ? Non, tu sais, moi, je suis vachement romantique. Je me sens pas encore prête pour le faire. Et puis, je me trouve trop jeune. Ça m'étonne pas de toi. Bon, c'est bon, on peut y aller, t'as plus de questions ? Non, mais j'ai juste une proposition à te faire. Quoi ? Le premier qui arrive à la plage gagne une glace au chocolat. Alors ? Je serai jamais allé en parler. Elle prend la pilule ? Je sais pas. Mais t'as qu'à prendre ce prétexte pour lui parler. Ouais, non, j'oserais jamais. Attends, j'ai une idée. Tu pourrais. Gauche ou droite ? Gauche, celle du cœur. Waouh, t'es génial. J'en sais pas t'en parler. C'est toi ? Bonjour, Christelle. Ça va ? Tiens, tu réfléchis. Au vite, tu comprendras. Mmh.
marie. Y'a que des nanas aux caisses. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'y vais. Dans la 3, y'a personne. Mais qu'est-ce qu'elle va penser? Tiens, elle me regarde même pas. Pas pris le temps. Ouf, ça fait. Service au moment, madame. Mademoiselle. Un paquet de mouchoirs, s'il vous plaît. Ça fera 2 francs. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, jeune homme, bande bleue ou bande verte? Attendez un petit instant. Alors, nous avons les Sailor bandes bleues avec lubrifiant, les bandes vertes finement poudrées, le gold avec spermicide et réservoir, et enfin les préservatifs Crest et Harmony qui ont également du lubrifiant et un réservoir. Alors? Bon, écoutez, je vous conseille les Sailor bandes bleues. Bonjour! D'accord. Ah, bah ça tombe bien, je voulais justement des Harmony. Le sac à malice. Tiens, tu l'habilles au plongeur. Waouh, on lui a mis son habit de fête. C'est son parapluie d'amour. Les présets, les capotes, ça me botte. Ah ouais, t'as raison. Quand vous le lui dites avec des fleurs, n'oubliez pas de protéger votre avenir. Thank you.
Je m'appelle Christine. Je suis très amoureuse de Paul. Hier, j'ai fait l'amour avec lui. C'était la première fois pour moi. Paul, lui, avait déjà eu d'autres relations. Mais son ex a l'air d'être une fille bien. Je pense pas qu'il est triste. Moi, c'est Paul. Je cherche toujours la fille idéale. Cette année, je suis sorti avec Marie, puis Christine. C'est pas que je sois pas fidèle avec les filles, mais ça ne dure jamais longtemps. Après Paul, j'ai eu un nouveau coup de foudre. Mais c'est déjà fini. Salut. Salut. Tu savais que Paul est séropositif? Non. D'ailleurs, Marie a peur. Toi, Christine? Non, je savais pas. Je suis sortie longtemps avec lui. Tu ferais bien de faire un test. On va chez moi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'as eu beaucoup d'autres relations avant moi? Non. Pourquoi? Tu flippes? Non. Mais quand on fera l'amour, j'aimerais qu'on utilise des préservatifs. Ça t'ennuie? Allez, on va en acheter. C'est trop bête de faire l'amour en prenant des risques. Ok. Comme tu voudras. Elle et lui sont sortis ensemble 2 mois. Par chance pour elle, le préservatif était leur copain. Lui est mort du sida quelques années plus tard. Il n'avait pourtant fait l'amour que quelques fois, avant d'être avec elle. Et dans la chaîne d'une de ses ex, quelqu'un était séropositif. Il suffit parfois de quelques relations sexuelles seulement pour que notre avenir soit mis en danger. La chaîne de contamination, c'est tellement facile de se protéger. Soyons plus forts que le sida.